Allô, allô! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons nous faire un maquillage lilas avec la petite palette Lilac de Huda Beauty. Elle se présente comme ceci. Alors, c'est parti! La première étape sera d'appliquer la base. Donc, moi, je vais prendre la base de Anastasia Beverly Hills avec un pinceau plat qui a des poils assez rigides. Je viens en mettre un petit peu sur mon pinceau et je l'applique partout sur ma paupière. Je monte jusqu'en dessous du sourcil. Et je viens en mettre aussi un petit peu en dessous de l'œil. Ensuite, je prends un petit pinceau fluffy avec la couleur la plus foncée de la palette et je viens l'appliquer dans mon creux de paupière. Et je venais faire un oblique au coin externe. C'est normal. Les couleurs pastels ont moins de pigmentation que les fards habituels. C'est pour cette raison que nous avons appliqué une base au tout début. Je vais venir prendre par la suite le petit lilas très pâle ici, avec un pinceau beaucoup plus fluffy et plus gros. Et je vais venir dégrader le lilas que nous venons d'appliquer. Donc, on dégrade bien tout le contour pour pas faire une grosse démarcation avec le restant de la peau. Quand c'est terminé, nous allons prendre le petit rose pailleté juste ici. Je vais le prendre avec mon doigt et je vais venir l'appliquer sur le reste de ma paupière mobile. On va venir le dégrader avec le lilas pour qu'il se fonde bien avec le maquillage. Et je vais venir reporter les mêmes couleurs en rat de cils inférieur. On commence par le plus foncé. Et on vient bien le relier avec la forme au-dessus. Et ensuite, je prends le lilas le plus pâle. Pour le coin interne, je vais prendre le highlight de chez Tarte avec un petit embout mousse. L'embout mousse est idéal pour le coin interne puisqu'il rend l'effort plus pigmenté. Je recouvre mes cils. Et je viens appliquer du mascara. C'est le Voluminous de L'Oréal. Sur les cils du bas aussi. Maintenant, je fais l'autre œil. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à aller la liker, à commenter et à aller vous abonner. Bye!